On ne parle en ce moment en économie que de choc. Après le choc de compétitivité, c'est le choc de simplification. Et le gouvernement voudrait s'atteler à résoudre un certain nombre de problèmes, ou en tout cas qu'il estime être des problèmes pour les très petites entreprises, notamment les obligations de déclaration. Alors pour simplifier la vie des chefs d'entreprise, on envisage d'alléger leurs obligations déclaratives, peut-être même pour les très petites entreprises, les amener à ne plus être obligés de déclarer ou de déposer leur compte. En fait, c'est un faux problème parce que bien souvent, ces petites entreprises font appel à un expert comptable qui fait très bien ça quasiment tout seul. Et en matière de simplification, les entreprises ont bien d'autres problèmes que leurs déclarations. On parle aussi beaucoup aujourd'hui, pour simplifier la vie des petites entreprises, de réduire les délais de paiement des administrations, notamment de l'État. Ça, c'est une vraie réforme intéressante et cela pourrait passer par la possibilité de dématérialiser les fameuses factures que reçoit l'État. Il y en a plus de 4 millions par an. Alors ce sont des petits pas qui sont évidemment intéressants pour les petites entreprises, mais elles ont besoin surtout qu'on simplifie la problématique du salaire et des charges sociales. C'est avant tout là-dessus que les efforts doivent se faire.